enfin, ceux qui sont cliqués, ils auront une drôle de blague. Je vais te faire la paix, je vais te faire la paix, je vais te faire la paix.
mort qui brille. Seigneur des mamies, côté leur temps pour enchaîner les passes. Ils avaient fait la bombe dans leur quartier. C'était vraiment trop beau. Mais qu'est-ce que tout le monde est figé par la vie de son ami, mais c'est mieux qu'on verra. Les différences sont passées, c'est les délais éclatés. Beaucoup disaient, nous nous sommes répétés. C'est pas chaud, pas les enfants avec une basse ou une arme. On ne peut pas dire, il y aura des échappes, c'est quoi qu'on en dise. Mais ça, c'est beaucoup, aujourd'hui en mer. Bravo, bravo. On a un timing de 39 minutes, ce qui veut dire que dans quelques instants, on devrait pas tarder à avoir les premiers arrivants du 12 km. Et il y en a qui courent aussi avec leur chien. Voilà, bravo au chien et aussi à madame. Mais surtout au chien. Bravo, bravo, bravo. Bravo à tous. Belle performance quand même. Bravo, félicitations. Il y en a d'autres, bien évidemment, aussi qui vont
arriver. On attend toujours la première femme, évidemment, du 12 km. Elle ne devrait pas tarder à arriver ici d'ici quelques instants. Bonjour, bonjour. Alors, on a ici le deuxième du 12 km. Comment ça va? Oui, ça va bien. C'est quoi ton prénom? Monsieur Marchand. D'accord. Enchanté. Alors, ici, effectivement, course de 12 km. Comment ça s'est passé pour ça? Ah, c'est chouette. Bien, c'est vraiment cool. Juste le parcours qui est resté combattu. C'est ça, il y a beaucoup de changements de rythme. Ça dépend des gens plein de l'effort. Plein de forces scolaires pour faire les liens de l'effort. Voilà, bah en tout cas, félicitations donc, effectivement, vous avez signé de ce 12 km, bravo, félicitations. Ah ouais, ça se passe comme ça à Nivelles, en plus avec ce beau soleil, c'est magnifique, vous allez enlever ma veste, je suis très heureux. J'espère que vous aussi, il y a à boire, d'ailleurs, il y a à manger aussi, et puis plein d'activités dans cet espace, alors, dès que vous êtes touchés, vous êtes changés.
Tout à l'heure, le tirage de la tombola vous permettra peut-être de repartir. Vous qui avez effectivement participé, qui avez complété le bulletin de participation, vous allez peut-être pouvoir repartir avec un bon d'achat de 25 euros chez Carrefour Market Nivelles. Il y a aussi des t-shirts, il y a également des bons d'achat de 50 euros chez Sport One. Il y a aussi des abonnements au magazine ZOPEC, le magazine leader sur la santé et la routine. Des batteries portables, Betkin, des enceintes Bluetooth JBL, des appareils croque-monsieur pour un coffret Volkswagen et puis également le chrono. C'est quand même un caddie qui est exposé d'ailleurs ici à l'arrivée. Vous pouvez aller le voir, il est hyper bien rempli, il a une valeur de 150 euros et ça vous permettra de remplir votre frigo tout à l'heure en entrant. Si vous gagnez, et je le rappelle, pour la tombola, il faut rester. On ne donnera pas le cadeau si, effectivement, la personne n'est pas là. Donc, il faudra rester tout à l'heure après la remise de prix, donc qui aura lieu vers 12h30. Et là, on en a 50 minutes. Bravo à la personne de l'équipe Total qui vient d'arriver. Total qui a mis quand même pas mal de personnes à disposition aujourd'hui. C'est une grosse, grosse équipe. Et on les en remercie. Alors, il y a bien évidemment pas mal de partenaires sur ce semi-marathon. Le Bureau Vol, le partenaire pour vos assurances, les prêts, les investissements. La Banque UBH également. Pour le magasin multisport à Nivelles et puis Malexi, votre promoteur immobilier. Les résultats, et bien le premier résultat sera affiché à partir de 11h30 pour le 5 km et ce sera en dessous du chapiteau. Les résultats des kits sont d'ailleurs déjà affichés. Et pour les premières, pour les résultats du 12 km, il faudra attendre 8h. Voilà, bien joué le fil, bien joué mesdames, bien joué monsieur le tireur. 52 kits. Bravo, bravo, bravo. Ah ouais, les filles de Victoire ici qui sont poussées. Vous avez bien raison. Bonjour Mathilde, comment ça va Mathilde? Très bien. Mathilde qui vient de courir le 12 km et qui vient
vient d'arriver chez nous, effectivement. Félicitations, on a la deuxième aussi qui vient d'arriver aussi. Donc, félicitations, une belle course effectuée en 53 minutes. Donc voilà, toutes nos félicitations, effectivement. Alors, Mathilde, comment ça s'est passé cette course? Ça a été parce que c'est un long jour. Et alors, est-ce que tu t'es dit en commençant la course, voilà, ou en arrivant ici à Nivelles ce matin, voilà, c'est moi qui vais gagner 12 km? Je sais pas. Voilà, Mathilde qui reste modeste aussi. Est-ce que tu t'entraînes dans un club en particulier? Non. D'accord, c'est juste comme ça. Et tu viens d'où? Je viens de Namur, mais j'habite là. D'accord, ok, ben voilà, Nivelles était un petit peu l'étape obligatoire aujourd'hui en ce dimanche. Félicitations Mathilde. Donc 53 minutes en 12 km. Je vais aller voir la deuxième aussi. Bonjour madame la deuxième. Oui, j'avais vu le nom de Mathilde dans la liste de prix, donc je savais que c'était un petit peu chaud. Et voilà, donc je suis contente de ma place, je suis pas loin d'être ma famille. Donc voilà, on a un peu joué au yo-yo, et sur la fin, je m'en souviens plus, je vois pas. Voilà, et ton prénom c'est Émilie, voilà, Émilie, parfait, Émilie qui est donc deuxième. Et ça s'est joué vraiment un peu, hein, toutes les deux. Vous étiez à quelques secondes près, effectivement, ici. Félicitations en tout cas. On va laisser les deux dames se reposer un petit peu. Celle qui arrive pour le 2 km première et deuxième. Alors j'en profite puisqu'il est là aussi, Christophe. Christophe, merci beaucoup d'être là pour l'avenir, puisque l'avenir, c'est vrai, c'est un partenaire aussi de ce semi-marathon de Nivelles. Donc merci aussi, vous verrez tout le compte-rendu de ce semi-marathon avec toutes les interviews, avec effectivement toutes les exclusivités, ce que vous n'avez pas vu aujourd'hui, ce que vous ne verrez pas, et bien tout sera dans l'avenir. Demain, il faudra vraiment aller chercher l'édition Bravo la langue de l'avenir, puisque l'avenir est un partenaire effectivement de ce semi-marathon. Thank you.
piste. Oui. Tu dois te battre. Sauf que j'ai plus de batterie et que c'est un peu chiant. Mais... Allez, John. Bravo. Bravo. J'ai demandé le classement des 5. Félicitations, il y a encore des personnes qui font le 5, des personnes qui font le 12 km. Félicitations pour votre arrivée, vous avez raison de les encourager jusqu'au bout. C'est pas facile hein, de courir autant. Et alors, du cyclo que vous entendez, là, je vous conseille vraiment de vous rapprocher ici à Nivelles, puisque d'ici quelques minutes, quelques instants, on aura le premier du semi-marathon des 21 km. Ce sera à ne surtout pas lever d'ici quelques instants. Alors on n'oublie pas de citer aussi les partenaires
de ce semi-marathon. L'union au vol, la boxe CPH, Sport Werner et puis aussi Matexi. On remercie également le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la province du Brabant-Wallon, ainsi que la ville des duels. Félicitations ici à tous ceux qui arrivent. On est à 1h04 minutes pour le 5, le 12, le 21 km. Le 21 km où on accueillera d'ici quelques instants le grand vainqueur. Ça ne va plus tarder, hein. C'est plus qu'une question de 2 minutes. Bravo Bernard, Bernard Dorès qui vient d'arriver. On ne t'avait pas vu à l'arrivée, comment ça va? Alors Bernard Dorès est joint ici à la ville de Nivelles. Tu es le premier en fait de la ville, on va dire. Ah bon, mais c'est pas encore arrivé? Non, je ne pense pas, on ne l'a pas encore eu en tout cas. En tout cas, chapeau. Temps idéal, parfait pour la course. Parcours, parfait également. Chapeau à l'organisation. Et en tout cas, bonne journée. Et je vais prendre un petit coup maintenant. Voilà, ça paraît une bonne idée. Merci beaucoup Bernard. Bernard Lohès, effectivement, il est ici à la ville de Nivelles. Il est aussi joue le jeu. Et c'est vrai, hein, c'est ça qui est magnifique. Je disais tout à l'heure sur la ligne de départ, la ville de Nivelles est un partenaire essentiel pour ce semi-marathon. Mais il y a aussi un investissement personnel de la part, effectivement, de la ville. Effectivement, vous voyez, Échouin, Bourmès, ils sont là, ils sont présents. C'est pas que sur le papier, c'est pas que justement, juste une autorisation administrative. Donc voilà, merci à eux, effectivement. Alors on en est ici à 1h06 et effectivement, on n'a pas avec impatience les bénins du sud. Alors, bonjour Lali. Lali qui ne parle pas, fait des gestes, mais c'est pas parler. Donc voilà. Alors, est-ce que ça va Lali? Oui, non. Comment ça va la dame en fait, c'est ça? Son interprète, comment ça va? Ça va, ça va. C'est quoi ton prénom? Ma copine c'est Lali et moi-même c'est Charlotte. D'accord, et vous êtes ici aujourd'hui au semi-marathon, vous avez partout. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Lali et Charlotte? Alors aujourd'hui, Lali la souris vous a invité tous les petits enfants au Vauxhall pour qu'ils trouvent danser la Zumba avec elle. Ah d'accord, mais ça se passe quand, à quelle heure? Dans 5 minutes devant le Vauxhall. Donc voilà, donc les enfants, vous l'avez entendu, Charlotte vient de dire, il faut se rassembler impérativement au Vauxhall si vous voulez effectivement danser la Zumba avec Lali et avec toute l'équipe. Donc voilà, les enfants, rassemblez-vous dans même pas 5 minutes, début de la Zumba. Voilà, ça va bouger? Ah oui, parce que Lali n'est pas grande forme pour ce week-end. Ok, ça va, donc c'est comme une traçon en fait, ça bouge pas mal. Salut Lali, salut Charlotte. Ok, on félicite encore les participants ici. On est aux 12 km. Alors, bonne nouvelle, puisque dans 5 minutes, vous allez pouvoir avoir les résultats du 5 km. Ce sera sous le chapiteau, donc le temps qu'on les affiche. Et vous pourrez venir voir justement ces résultats. Il y a les résultats des 5 km qui seront affichés dans 5 minutes sous le chapiteau. Et
Félicitations, félicitations à tous les. Ouais. Bravo, bravo, félicitations. Félicitations à vous. Alors, le semi-marathon, c'est vrai qu'on le regarde et on se dit, waouh, quel courage, quelle endurance. Mais il y en a qui le font aussi en marchant, et ça aussi, c'est un message pour vous. Si ça vous dit de faire le semi-marathon l'année prochaine, vous pouvez aussi le faire en marchant. C'est tout à fait possible. Et ça, ce sont donc les arrivées du 5 km, une petite balade bien sympa. On va aller voir comment ça s'est passé. Bonjour madame. Alors comment ça s'est passé aujourd'hui madame? Vous appelez comment? Viviane, dites-moi tout, comment ça s'est passé cette balade de 5 km? Très bien, très bien. Au début, il y a beaucoup de place. Vous étiez un petit peu entraîné pour cette balade de 5 km? Des marches de 5 km. Ah voilà, donc c'est la marche du dimanche, un petit peu qui a pris une autre facette aujourd'hui avec ce semi-marathon alors. Bah voilà, parfait. Au revoir, bon dimanche à tous. Bah oui, bon dimanche effectivement à vous aussi, merci beaucoup. Voilà, pas mal d'arrivées, des marcheurs, des runners. Félicitations en tout cas à tous pour votre parcours. Ah, j'adore ce morceau, ça je peux vous dire, c'est Rolling Tools. C'est un morceau qu'on adore vous passer dans cette station d'Aix et R&B et Ultrason. La radio Nouvelle, 150 et Ultrason par heure. C'est pas ça, Ultrason, Ultrason. Rolling Tools, c'est juste énorme ce morceau, ça va vous donner la pêche aujourd'hui en dimanche. N'oubliez pas de parler de Rihanna et de Bill dans le sport, j'allais dire. On a petit les petits pirateurs qui arrivent aussi. L'ambiance ici aujourd'hui, ça fait super plaisir. L'ambiance qui se poursuit aussi forcément dans l'espace salon, qui est spécialement prévu pour l'arrivée ici, comme ça. Mais dès que vous arrivez, dès que vous êtes prêts, dès que vous êtes changé tout propre, eh bien vous pouvez profiter aussi de cet espace du salon, vous pouvez boire, vous pouvez manger. Et puis tout à l'heure, il y aura les concerts et il y aura forcément après la musique. Et la tombola, il y a de très très beaux noms à remporter. J'ai pas eu les coureurs de l'année passée, donc je sais pas du tout qui peut arriver en tête. C'est qui qui avait encore sonné hier? Et les plus grands ont été du podium.
qui accueillera tout à l'heure le concert. N'hésitez pas, si vous êtes lauréat à toute catégorie, allez retirer votre prix. Félicitations, ça va Younes, ça va, tu revis? Voilà. Est-ce que même si la récupération c'est lui, ça se fait, mais en deux secondes, ça va Younes, comment ça s'est passé cette course? C'est vraiment un beau parcours, un bon parcours. Je suis parti de 2 km et j'ai pu maintenir mon allure. Voilà, sur les 19 restants. Sans trop forcer. Sans trop forcer, voilà, il reste... Tranquille, en fait c'était la petite promenade effectivement du week-end. Alors c'est beaucoup de préparation quand même ce 21 km. J'ai pas d'entraînement pour 21 km, je suis plutôt d'artiste. Donc je garde mes entraînements de suite et... Allez Philippe! Et alors du coup l'entraînement c'est quoi? C'est combien de fois par semaine et comment ça se passe? J'ai plus d'entraînement par semaine avec un jour de repos. Ouais, il y a quand même beaucoup de kilomètres, beaucoup de lignes. Ouais, Matt. En tout cas, félicitations. C'est la première fois que tu remportes une compétition de cette envergure. Ben, l'année passée, j'ai gagné 5 km. Depuis ma retraite, c'est la première fois pour moi. Eh bien, félicitations. Sans passer par le 12 km. Donc l'année passée, le 5. Et cette année-ci, c'est voilà, directement les 25 km. Félicitations donc à Younes qui remporte ce semi-marathon des Nivelles. Donc voilà, tu veux encore dire quelque chose peut-être? C'est une belle organisation, de vous plaisir. Je reviendrai l'année prochaine sans visiter. Donc voilà, il reviendra effectivement l'année prochaine. Et Younes, après nous, tu as quel âge? 19 ans. 19 ans, voilà, félicitations 19 ans, moi je remporte le semi-marathon. C'est cool, voilà, félicitations à toi Younes. Voilà. Merci, merci. Alors d'ici quelques instants, ben voilà, il y a Christophe Delamire qui va pouvoir l'interviewer. On le rappelle, l'article, ce sera d'ici ce sera demain effectivement dans l'avenir, et aussi cette semaine pour un article un petit peu plus détendu. Alors, on a le deuxième qui est ici aussi avec nous, le troisième vient d'arriver aussi. Donc félicitations, Eddy. Alors on a Geoffrey avec nous, Geoffrey qui vient de Mont-Saint-Guibert et qui est donc deuxième du semi-marathon. Salut Geoffrey.
le 12. Alors comment ça s'est passé cette course? Est-ce que c'était aussi dur qu'on a dit ou alors est-ce que c'était les deux à l'ennemi? Ah ben, le profil est quand même bien ballonné, donc ceux qui avaient prévu un semi-marathon là, ils vont être très contents. Voilà, effectivement. Alors Geoffrey, toi tu t'entraînes dans un club parce qu'on a vu effectivement ici à l'instant le gagnant qui lui s'entraîne au Nike, donc ici à Nivelles. Toi, Geoffrey, comment ça se passe? Moi, je viens d'un club de triathlon à Tournai, GGT. Ah ben voilà, effectivement, et tu viens, c'est la première fois que tu viens ici à Nivelles? Ouais, c'est la première fois. Ok, eh ben, félicitations en tout cas, puisque pour cette première participation du coup, bam, on est deuxième, donc félicitations Geoffrey. Entre temps, on a le cinquième aussi qui est arrivé, donc on a les cinq premiers de ce semi-marathon qui viennent d'arriver. Félicitations à vous. Et maintenant, on va attendre avec grande impatience également l'arrivée de la première femme du semi-marathon. Ce sera d'ici quelques instants. Et pas de confusion, je sais qu'on avait vu un dessin rouge, mais ce n'était pas la première femme du semi-marathon. Tu dois avoir 5 pour les femmes aussi. Hein. Oui. Mais tu vois, les maillots rayés, c'est peut-être. Le semi-marathon, les 5 premiers sont arrivés sur du 25 km. Les jours qui sont tous aussi méritants, viennent avec effectivement, qui vient de faire le 12 km. Donc, félicitations à tous ces participants. Il y en a qui font du volley d'habitude, et puis, qui font du semi-marathon, ça fait plaisir aussi. Il y en a d'autres qui font du triathlon. Il y en a d'autres qui font rien du tout, mais qui arrivent quand même avec des beaux résultats. Donc, félicitations. Allez, jusqu'au bout. Et on a le gros maître aussi, Pierre Huard, qui vient d'arriver. Bravo Pierre. Pierre qui vient donc réaliser le 12 km. En 1h21, c'est un beau score hein, quand même. On va attendre qu'ils se remettent un petit peu. Une belle course qui s'achève pour pas mal de participants. Alors on le rappelle qu'il y a quand même des beaux lots qui seront donnés, enfin des beaux cadeaux qui seront donnés à tous les gagnants. Et puis effectivement, là, il y a la première femme qui arrive, alors s'il vous plaît, on peut l'applaudir très très fort. Alexandra, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Tous les applaudissements s'il vous plaît pour la première femme du 21 km. Bravo. Bravo, bravo Alexandra. Alexandra, qu'on va aller saluer. On fera l'interview de Pierre Huard tout à l'heure. Alors, Alexandra, bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va bien, le parcours est magnifique, c'est beau, c'est génial. C'est la première fois que tu viens à Nivelles, Alexandra? C'est la première fois, mais pas la dernière, c'est sûr. Ben voilà, comme ça, elle a découvert aussi notre belle ville, notre belle cité à Cuyotte. Alors Alexandra, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé cette course? Qu'est-ce qui était le plus gros challenge? Le plus gros challenge, c'est moi-même de faire un saut. J'arrive ici en préparation pour un aérolien que je fais l'année prochaine. Donc voilà, je vais faire plaisir et surtout promouvoir le sport en bord de voile. Parce qu'une course, là, ici, il faut qu'un mot plus, il faut qu'un mot plus sur le fond. Voilà, bah en tout cas, effectivement. C'est le message qui est passé. Alors on sait que tu vas à Mayotte, c'est ce dont tu parlais là tout de suite. Oui, je pars pour mon aérolien à Mayotte, qui sera samedi prochain. Voilà. Voilà, et donc ça c'était un petit peu l'aperçu, la petite préparation on va dire. Voilà, c'est la préparation, mais c'est surtout, je parle pas de moi, mais je parle à tous ceux qui ont fini aujourd'hui, que ce soit sur le 5, le 11 ou le 21. Voilà, vous l'avez fait et il faut
Ok, bah en tout cas, le message est passé. Merci beaucoup et encore félicitations à Alexandre. Alexandra, donc pour ceci. Alors, la deuxième dame vient de passer. La deuxième dame, on l'attend. Voilà, on va en profiter pour interviewer Pierre-Yves, le bourgmestre. Alors, je disais tout à l'heure, la ville de Nivelles qui s'investit sur papier, mais aussi le jour de l'événement. Ça fait plaisir. Bonjour, monsieur le bourgmestre. Bonjour, Pierre. Bonjour. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est pas une belle journée quand même pour organiser un semi-marathon à Nivelles? Super bien organisé. Cette année, on a des conditions climatiques qui sont favorables. Plus alors, toute la salle musicale. Et alors, Pink Floyd et une façon dans les oreilles. Voilà, ce qui est donc le cocktail nivellois parfait. Alors Pierre, effectivement, ici, bon, c'est pas la première fois que tu participes à ces semi-marathons. Comment ça se passe d'une année à l'autre? Quels sont les gros challenges, en fait, dans ce parcours? Pour moi, c'est pas facile. Je m'entraîne en moyenne une fois par semaine. Le reste du temps, je vais dans beaucoup de clubs de sport, mais plutôt au troisième mi-temps. Donc c'est pas la quarantaine, mais sinon les derniers dimanches je les fais 2-3 fois, je fais tout le parcours. D'accord, et alors ici ce parcours qui est magnifique, est-ce que c'est une chouette manière pour découvrir aussi Nivelles autrement, parce qu'il y a des gens qui viennent de Nivelles et d'autres pas du tout? Oui, pour ceux qui font les 21 km, donc le semi-marathon, ils ont l'occasion d'aller dans tous les villages, donc c'est l'occasion de voir Nivelles autrement. Et pour ceux qui font le 12 comme moi, on fait monstrueux dans le bac. Et alors effectivement ici, bon je suppose que c'est pas la dernière fois que tu participes au semi-marathon. On le sait, c'est une très belle épreuve, mais ceux qui hésitent encore un petit peu, qui se disent oui bon je sais pas si c'est pour moi, si j'ai effectivement les capacités pour le faire, quel est le message que toi tu donnerais? Il y a un tel esprit de groupe et de solidarité qui fait que même les personnes qui ne sont pas entraînées peuvent vraiment s'engager pour l'année prochaine. L'année prochaine, l'objectif de l'organisateur, c'est de battre les 3000 participants et Paris à Nivelles. Voilà, en tout cas, on souhaite beaucoup de succès encore à l'organisation. Merci beaucoup, Pierre. Donc, derrière le bourgmestre de Nivelles qui a fini donc, à l'instant le 12 km. On le félicite évidemment et on leur remercie pour son engagement aussi physiquement dans ce semi-marathon. Alors, il y a eu, je crois que les 5 premiers du coup du semi sont arrivés. Vous les verrez tous tout à l'heure, bien évidemment, ce sera la remise des prix qui aura lieu vers 12h30. Et puis, bien évidemment, d'autres coureurs qui arrivent. On attend encore le top 5, que le top 5 soit complet au niveau des femmes. On a eu la première tout à l'heure. Bien ici, on attend aussi les autres. Et comme je le disais également, vous avez vraiment beaucoup de mérite que vous fassiez le 5, le 12 ou le 21 km en marchant ou en courant. Félicitations. Et encore un est arrivé ici pour le semi-marathon. Vous voyez, ce sont les dossards rouges. Donc voilà, félicitations ici à un athlète du CADOE, du NAC. Félicitations. Bien arrivé. Pour ce semi-marathon, félicitations. Bien, je pense dans le top 5 ou 10. Voilà, la troisième femme, on me le confirme. On va l'aider un petit peu. Hélène, qui est donc la troisième femme ici de ce semi-marathon. Bien joué. On les laisse bien évidemment souffler un petit peu. C'est une très très grande épreuve. Même quand on est préparé. Ou pas. Mais en tout cas ici c'est une très belle épreuve. On va aller voir Hélène tout de suite. Bonjour Hélène, comment ça va? Ça va, ça m'a bien monté. Hélène, tu viens d'où toi? De Wavre. De Wavre, ok, donc on est... Alors, on n'est pas trop dépaysé en fin de compte, parce que ça reste en Brabant wallon. C'est aussi vallonné, Nivelles, que Wavre. Oui, en fin de compte.
et les difficultés. Est-ce que c'est plus facile de courir du coup à WAP ou à Nivelles? À Nivelles, c'est une ambiance de fou. Voilà, une très belle ambiance aussi grâce à vous, grâce au public. Donc on vous remercie vraiment pour votre chaleur et aussi pour vos encouragements pour ces marathoniens. Alors première fois pour ce semaine de marathon de Nivelles, Hélène? Oui. Et beaucoup d'entraînement ou alors c'était plutôt petit? Voilà, on s'est dit quelques jours, quelques semaines avant, on va participer. Voilà, effectivement. Et elle qui dit c'est pas sérieux de ne pas s'entraîner avant, donc voilà. Je pense que le message est clair, il faut de l'entraînement, effectivement, pour ceci. On est quand même fiers d'être troisième, Hélène. Oui, évidemment. C'est beaucoup de travail, hein, donc c'est plaisir. Voilà, parfait. En tout cas, bravo, félicitations Hélène. Hélène qui termine donc troisième de ce semi-marathon de Nivelles. Marathon de Nivelles qui est organisé avec le soutien de plusieurs partenaires. On ne va pas re-signer encore les mentionnés qui ont aussi beaucoup, beaucoup investi dans ce semi-marathon. Le Bureau Web, le partenaire pour vos assurances, prêts et investissements, la banque CPH, Sport One également, votre magasin multisport à Nivelles. Il y a aussi Matexim, promoteur immobilier, Volvo Fizem, le Carrefour Marquette, votre MESTEC de Nivelles, la société Global Project Management qui tente le partenaire Impression, et aussi l'avenir Zatopec Magazine, votre partenaire, votre magazine en réalité, Running et Santé, Nivelles Entreprises, l'association des commerçants, en fait, enfin des entreprises de Nivelles qui sont présentes dans le Zoning ou ailleurs, et puis Aquarius, qui vous distribue, enfin qui distribue en fait aux participants les boissons à l'arrivée et qui les gâte aussi. Et puis évidemment, la ville de Nivelles, la province du Grand Wallon et le Parlement de la Fédération Wallonie de Bruxelles. Moi j'appelle this nature may be a fine let out this meaning. On vous rappelle bien évidemment qu'il y aura tout à l'heure des concerts. Vous pouvez profiter, et ça, vous devez profiter, on le voit. Vous pouvez profiter de l'espace salon. On peut vous restaurer, de prendre à boire, à manger, c'est très bon. Et puis, forcément aussi, vous pouvez profiter des différents stands de produits et services sur la grande place. On remercie par exemple notre camarade de CPH. On remercie aussi le CPE qui est présent aujourd'hui avec un stand, votre fidèle et puis tous les autres. Félicitations à tous. De belles performances aujourd'hui ici à Nivelles. On en est à 1h33 minutes. C'est un très très beau score. Alors, je rappelle que les résultats du 5 km sont affichés sous le chapiteau. Donc il suffit d'aller les consulter. Et alors, je le rappelle aussi, si vous êtes lauréat
vous pouvez venir vous présenter juste à côté du podium, là où auront lieu tout à l'heure les concerts, puisque c'est là que vous allez pouvoir venir retirer vos prix, si vous les aurez avant toute catégorie. D'autres très beaux noms, mais il n'y a pas de problème.
Il suffit de vous inscrire et donc c'est juste en face de l'hôtel de ville que ça se passe maintenant. Il y a plus d'inscriptions pour la tombola ensemble. Et encore un marathonien cette fois-ci. Alors, c'est fait pour faire le saut du marathon en 1h40. À 10 secondes près, c'est en 1h40. Bravo. Félicitations à tous. Alors je tiens aussi à rappeler mon cœur, si vous avez des petits bobos, que vous avez besoin d'un petit conseil pour un livre, la Croix-Rouge est là aussi aujourd'hui. Donc, vous pouvez bien évidemment aussi aller leur poser des questions, vous en imaginez peut-être. On est vraiment là, c'est un full service de A à Z aujourd'hui. Vous êtes bien encadré par l'équipe du semi-marathon. Et je rappelle, pour la remise des prix très important, c'est à 10h30. Ce sera, on appellera les trois premiers dans chaque catégorie. Et puis sinon, pour les autres, les courses de 5 ou 12 km, si vous êtes lauréat, le premier de chaque catégorie repart avec un prix qu'il faut déjà aller chercher au stand. C'est sûr, c'est ça. Je vais juste m'absenter pour aller aux toilettes. Je rush. Hubert là. Et alors, tout à l'heure on a eu Bernard Loer, tout à l'heure on a eu Pierre Yard. Et alors ne pars pas trop vite Hubert, ne pars pas trop vite. Hubert Bertrand, les chemins des sports de la ville de Nivelles, qui est arrivé, on peut l'applaudir aussi s'il vous plaît, que lui aussi participe à ce semi-marathon. Donc voilà, l'année dernière pas, ici c'est la première participation. Alors, est-ce que ça va, on est prêt? Alors, bonjour Hubert, comment ça va? Bonjour. Alors effectivement, c'est ça. Pardon ? Il manquait, ça casse pas. Voilà, mais bon, c'est ça aussi le sport. Alors, en tant que médecin, si on parle de fin des sports, comment s'est passée cette édition pour toi, Hubert ? Écoute, moi j'ai joué comme un ballet, donc j'ai pas eu d'accident, donc c'est l'essentiel. Voilà, effectivement. Et alors, ici, on a le voilà, merci beaucoup, Hubert, d'être pendant ces fins des sports ici à Nivelles. On a aussi les Joëlettes qui viennent d'arriver. Alors on va interviewer, qui pourrait. Ouais, ils n'en peuvent plus. Alors ils me disent, j'en peux plus. Après, les Joëlettes. Ah voilà, on a trouvé quelqu'un ici. Bonjour, c'est quoi ton prénom? Adrien.
Adrien, ah ben voilà, merci en tout cas d'avoir joué le jeu ici pour ces jeux. Alex, comment ça s'est passé? C'est la première fois? Moi, c'est déjà la première de coup. Ça va, ça se passe à chaque fois bien. Et qu'est-ce qui était différent cette année par rapport à l'année passée? On a été plus rapide, hein. Je crois qu'on s'est mis en 2 heures, donc on reste très content. En même moins de 2 heures, hein, le chrono, on y regarde, 1h44. Bravo, bravo, 1h44 quand même pour ces jeux Alex. Ah oui, c'est vrai, avec les quarts d'heure plus tôt, effectivement, donc, ça fait en dessous des 2 heures, donc bravo pour ces jeunes. Alors on demande aussi Christophe Stevens à l'arrivée. Christophe. Ça va très bien, oui. On a couru le semi-marathon. Comment ça s'est présenté ici aujourd'hui? Mis à part quelques petites montées, quelques petites côtes, c'est un parcours très roulant et j'ai pris du plaisir à le faire. C'est quoi la grande différence entre le 5 et 1 que vous organisez et le semi-marathon ici des Michel? Bien, ici, sur Saint-Guilain, ça va être la troisième saison uniquement. Ici, je pense que vous avez commencé un peu plus tôt que nous. Et puis la ville se prête à une course pareille. Félicitations à tous les organisateurs. Voilà, merci beaucoup en tout cas. À vous. Et alors un petit mot encore. Voilà, je vous donne rendez-vous le 8 mai, donc 2016. C'est dans le cadre du Téléville, à 3 courses, à 6, 10 et 21. Donc le 21, c'est notre course phare. Nous aurons peut-être les championnats de Belgique. On est à 90% pour le moment, donc voilà. Voilà, félicitations donc. Et effectivement, je donne rendez-vous pour le semi-marathon de l'ours qui aura lieu en mai 2016. Une course au profit du Télévis. Vous pouvez faire comme vous l'avez entendu, 6, 10 et 21 km. On a bien couru ensemble, on s'est bien amusé, on est un groupe uni, excellent. Voilà, et alors voilà, effectivement, une très belle course. Voilà, c'était top, on s'est bien amusé, un esprit super qui règne ici. Alors, il y a une seule fille dans votre groupe, deux. Avec les meilleurs aussi, ça va, ça s'est bien passé avec deux garçons du coup.
Voilà, et c'était la première fois pour toi. Voilà, on reviendra l'année prochaine. On s'entraîne pour le marathon d'Anvers. Ah voilà, bel entraînement effectivement ici. C'est quand le marathon d'Anvers? En avril. En avril, donc ouais, il y a encore un peu de temps effectivement. Bon Thibaut, l'année prochaine tu reviens à Nivelle. Bah voilà, donc il reviendra effectivement l'année prochaine aussi. Donc bravo les Joëlettes, bravo la team. Vous êtes vraiment top et vous avez fait un superbe résultat donc ici pour ce semi-marathon. Bravo. Et donc on vous laisse un petit peu souffler à votre raison. On peut vraiment les applaudir à les Joëlettes, s'il vous plaît. Applaudissements pour les Joëlettes, le deuxième groupe. Voilà, très très beau résultat au pluriel pour ce monde. Bravo. J'ai lui fait du bouche à bouche. Je préfère à toi. Il y a Delphine qui est là en fait. Delphine.
on nous déconne. Thank you.
Une cover de Nirvana qui va vous être proposée, un concert qui sera en deux parties et qui sera proposé par Vincent Rossard et puis toute son équipe. Donc voilà, concert d'ici quelques instants, ce sera la cover de Nirvana par Lithium. Ça va commencer dans 10 minutes. Et puis effectivement, vous n'hésitez pas, vous pouvez toujours continuer à vous inscrire pour la tombola. Il y a vraiment de très très beaux lots entre 10h30 et 13h, on fera donc la remise des prix juste après ce tombola avec de très très beaux lots. Et où s'inscrire maintenant si vous ne vous êtes pas inscrit ce matin? Eh bien, il suffit de s'inscrire devant l'hôtel de ville. Donc voilà, l'emplacement a changé par rapport à ce matin. Donc voilà, c'est plutôt sympa parce qu'au niveau des cadeaux, vous pouvez repartir avec des bons d'achat de 25€ chez Carrefour Market Nivelles. Vous avez aussi des t-shirts, des bons d'achat de 50€ chez Sport One, des abonnements au magazine Zatopec, le magazine leader sur le magazine de la santé. Il y a aussi des batteries portables Petin, des enceintes Bluetooth, JBL, des appareils à cause de ce bureau, un coffret Volvis et puis le gros lot qui est signé en fait ici, toujours dans le stand justement où il y a tous les prix. Vous avez un magnifique caddie, donc vous allez faire vos courses, vous savez que ça vous coûte de l'argent, et bien là vous repartirez avec un caddie plein de marchandises grâce au Carrefour Market Nivelles. Le bon président va faire quand même 150€. Et alors on m'annonce aussi à l'instant que le classement du 12 km est disponible, va être disponible dans 2 minutes même pas, en dessous du chapiteau. Donc le classement du 12 km d'ici quelques instants sera affiché en dessous du chapiteau. Et bien un hit qu'on adore vous passer sur une traçon, voici un petit Pharrell Williams. Thank you.
Important aussi à dire.
signaler, c'est que je vais vous annoncer les lauréats dans toutes les catégories, c'est-à-dire kids 5 et 12 km. Donc 5, 12 km ainsi que les kids. On va commencer par les kids et j'aimerais bien qu'on les applaudisse très très fort. Il y en a 18 hein, qui sont arrivés, premier, deuxième ou troisième dans leur catégorie. C'est un tonnerre d'applaudissements pour Romain Bounier, Malo Vazenabel, Martin Vanham, Guilain Desoif. Il y a aussi Émérance Baudouin, Odile Desoif, Joséphine Serrin. Il y a aussi dans les deuxièmes, donc Leandro Palacios, Samy Fadoul. Il y a aussi Basiel Vazenabel, Raffaello Colantini. Il y a aussi Soline Malcourant, Yuna Magride, Flavie Belao, et puis les troisièmes, Luca Desil, du côté donc des garçons, Gauthier Tenard, Alessio Martinez, et chez les filles, Émilie Vanham, Maya Taquin et Danaï Ricollet. On peut les applaudir bien fort s'il vous plaît, les kids, les enfants. Alors, il y a aussi les 5 km. Alors, dans les 5 km, on va quand même faire un tonnerre d'applaudissements aussi pour ceux qui sont lauréats. Donc, nous avons, d'ailleurs, qui est invité, avec lui qui a terminé premier, Brive Vatelin. Il y a aussi Christophe Van de Vandel, Thibaut Bounodet, Bounodet, ça fait beaucoup de noms, hein, je ne les connais pas non plus. Maxime Couvreur, il y a aussi Lola Descamps, il y a Didier Tigne, Michel Erkenral, bravo Michel, Alice Gascar aussi, Joël Devaret, Patricia Martin, Romain Henry, Monique Leroux, Rita Lagarde, Olivia Dehu, Ethan Van den Bosch et puis aussi Michel Léonard. Donc ça c'est les 5 km hommes. On peut les applaudir aussi. Et enfin, les 12 km avant la remise des prix qui aura lieu tout à l'heure après le concert de, effectivement, qui sera donné par Lithium, cover de Nirvana. Il faudra vraiment rester pour écouter ça. Il y a donc Louis Wiggins, il y a Romain Léchaudet, Olivier Pirot, Thomas Benoît, Fabrice Hirt, Matt Gallagher et Christian Berson côté homme, Joséphine Sedieu aussi. Et enfin, côté dame, Marine Brancard, bravo aussi à Anne-Catherine Doé et Rally, Mathilde de Trépon, Laurence Litter, Émilie Devic, Myriam Moir, Chantal Delclos et Patricia Decamp. Donc ça c'est le 12 km, on peut les applaudir bien fort aussi. S'il vous plaît, donc ici, d'ici quelques instants, vous allez avoir donc la remise des prix. Mais avant ça, j'aimerais quand même que vous rapprochiez un petit peu de cette scène, puisque c'est la première année où on a décidé de vous offrir un concert pendant le semi-marathon pour que la journée se passe encore mieux. Le groupe s'appelle Lithium, donc vraiment rapprochez-vous s'il vous plaît. Vous pouvez prendre votre bière, vous pouvez prendre votre pain, saucisse, c'est tout ce que vous voulez. Rapprochez-vous ici. Et j'aimerais quand même qu'on les applaudisse bien fort, puisque c'est la première fois aussi, bah, du coup, qu'ils seront là pour le semi-marathon. Tonnerre d'applaudissements pour Lithium, s'il vous plaît. We'll be right back.
Alors d'accord, vous avez beaucoup couru, mais on est venu pour vous.
venez à la prochaine, s'il vous plaît. Pour tout le monde, vous avez envie de rentrer, de sauter le vide, approchez-vous un peu. Ça s'appelle. Thank you.
Bravo pour le 2003. Un applaudissement pour le 2003 qui vient d'arriver. C'est Chantal. Chantal, non. Thank you.
moi je sais pas, il faudrait appeler. Ah oui, Sébastien. On fait quand la remise de bon, on va pouvoir démarrer tout doucement. Ouais, c'est ça. Tout doucement, on va s'y mettre, mais je suis pas certain que mon vélo balai, il fait vélo balai. Ouais. Ouais. Je vais quand même rester un peu à côté, Nico, pour la vie. Ouais. Et puis la tombola, je te laisse faire. À la limite, viens, on va faire un petit briefing de tombola. Ouais, ok. Thank you.
maintenant la maman de Félix, s'il vous plaît. C'est une annonce très très sérieuse. La maman de Félix est attendue au château gonflable. Que la maman de Félix lève le bras. La maman de Félix. Nous attendons la maman de Félix au château gonflable. Ah, il est au château gonflable. La maman de Félix. La maman de Félix. Maman de Félix au château gonflable. Sortez. Pour le massage, on vous joue folie. On peut applaudir sur cette heure.
dans le micro. Et maintenant, c'est la remise des prix, donc ça, c'est vraiment pour vous. Enfin, nous aussi, c'est pour vous, mais voilà. Donc, venez, venez les coureurs. Le podium est là. Voilà, on arrête parce qu'on a pris les bières, donc on va en profiter un peu. Et revenez, c'est maintenant la remise des prix. Allez. Oh. Non, après, après. Ils vont pas partir, non, non. Et les bières, vous partez pas, vous arrêtez de servir, s'il vous plaît. La remise des prix, c'est là. Ok, merci beaucoup. Lydia qui revient donc pour la deuxième partie d'ici quelques instants. Mais là, effectivement, assez important. On va donc remettre les prix. Alors, rapprochez-vous, rapprochez-vous du podium. Voilà. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. On va faire donc la remise des prix d'ici quelques secondes pour le 21 km, donc pour le semi-marathon. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, chez les dames. On est d'accord? Ok, bon, on est d'accord. Alors, on va commencer avec la catégorie espoir, où là, je vais appeler Alice Abiyakare Ingabire, qui peut venir se présenter ici. Alors, du coup, je vais descendre du podium, ce sera mieux. Alice, qui est donc le premier prix dans la catégorie espoir pour le semi-marathon. On va appeler aussi, tant qu'à faire, la catégorie Dame 1, Alexandra Tondor, Amélie Saucé et Hélène De Porta. Alors on a Hélène qui est avec nous, qui a terminé 3e. Alors on attend donc Amélie Saucé et Alexandra Tondor. Et si Alice est nous rejoindre aussi, ce serait bien. Il ne manque plus qu'Alexandra. Alice.